African Awards. Tout à l'heure, l'ouvrage Marque ou Crève de la Fondation Samilia. Cet ouvrage est illustré par de très très belles photographies qui ont donné lieu à une exposition dont vous pouvez avoir un petit aperçu dans le hall d'entrée. Dus zoals mijn collega Tjuna heeft aangegeven, er is een kleine foto-expositie ter ondersteuning van de organisatie hier vanavond aanwezig van Samilia. Maintenant, place à la musique. Les artistes qui vont suivre sont entrés dans le chant comme d'autres dans les ordres par vocation. Leur registre, c'est le gospel. Vous l'aurez compris, elles chantent avec le cœur. Er is mij niks meer te zeggen dan achteruit te gaan zitten, te genieten en jullie te laten leiden of ontroeren door de weelderige klanken van Rebecca, Rebecca en Julie.
Applaudissements, je vous prie, pour Rebecca, Rebecca et Julie. J'espère que tout va toujours bien pour vous et que le repas est délicieux. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet pour la seconde remise de prix, celui des Dounia. C'est un prix qui honore des femmes et des hommes qui se sont distingués dans un certain secteur d'activité. Ja, inderdaad. Deze tweede prijs, deze Dounia, is een bijzondere prijs voor mannen of vrouwen die zich op een unieke manier in een welbepaald domein onderscheiden hebben van anderen. Et pour remettre ce prix, je vais appeler le ministre président de la région de Bruxelles capitale, monsieur Rudy Vervoort. Welkom. On va laisser le temps au ministre de se rhabiller, de monter tout doucement. U mag zich hier zetten. Ja, perfect. Wel, Rudy, vertel mij eens. Ik heb gehoord dat jij een graag geziene gast bent hier. Je gaat ook al eventjes mee. Dus ik zou zeggen, heb je al genoten? Heb je er zin in vanavond? Zeker en vast. Maar natuurlijk, de belangrijkste prijs is nu al gegeven. Aan de voetballers, waarschijnlijk moesten ze naar huis gaan, want sport dat is natuurlijk veel te trainen en dus niet te laat gaan slapen. Maar dat hebben we dus nog niet gedaan en dus het is altijd een zeer gezellige sfeer hier. Warme sfeer ook. C'est vrai qu'il fait toujours chaud. Hein. Moi j'en souffre. Et donc je n'étais pas déshabillé, mais je m'étais simplement... même si je vais remettre un prix à quelqu'un dont... Enfin, il semblerait qu'il ait tourné qu'un gars que les femmes trouvent sexy. Mais on en saura plus tout à l'heure. Oui. Je voulais vous demander, vous êtes un peu un habitué des lieux. Oui. Ce n'est pas votre première participation. Non. Qu'est-ce qui fait qu'on vienne assister à ce genre de cérémonie? Mais je pense que c'est une cérémonie importante. D'abord parce qu'elle honore des sportifs de haut niveau et qui contribue à la renommée du football belge et international. Et puis parce que, d'une manière plus générale, la communauté africaine fait partie intégrante de la vie belge et bruxelloise. Et donc, nos destins sont liés de manière indissociable. Et donc, c'est bien aussi de faire la fête. Tout à fait. Vous aimez le cinéma, Rudy Vervoort? Ah là, je suis assez... Enfin, oui, oui. Oui, quand même. Non, posez-moi des questions. Mais ça tombe bien si vous aimez le cinéma, parce que justement, celui à qui vous allez remettre le prix, c'est un acteur. Ja, en ik denk dat we hem eigenlijk niet meer moeten voorstellen. Ik denk dat we het allemaal wel weten. Q
qui est-il? Faut-il encore le présenter? Hollywood lui tend les bras. Il est de toutes les récompenses. Une nomination au César pour le film Qu'Allah bénisse la France. Le prix du Magritte du meilleur espoir belge pour les rayures du zèbre. Il a préféré abandonner sa carrière musicale pour celle d'acteur et ce n'est pas pour nous déplaire. Il s'agit de Marc Zynga. Sous vos applaudissements. Bonsoir Marc Zynga. Alors nous attendons l'hôtesse avec le prix. Voilà, elle arrive. Marc Zynga, prix du Dounia. Je voudrais quand même dire qu'en dehors de James Bond, j'ai vu qu'il avait tourné avec un des tout grands réalisateurs belges, Jaco van der Maal, mais aussi avec un réalisateur qui en quatre films s'est vraiment imposé, un réalisateur français, à chaque fois qu'il fait un film, Audiard. À chaque fois qu'il fait un film, il en a fait quatre, Sur mes lèvres, De battre mon cœur s'est arrêté, De rouiller d'os, Un prophète, vous voyez, je connais mes classiques. Et donc, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Et donc, je pense que ça aussi, ce sont des chances extraordinaires de participer à de belles histoires, parce que c'est un homme qui réalise toujours de belles histoires. Maintenant, c'est vrai que James Bond, c'est bien aussi, hein, ça, c'est la cerise sur le gâteau, comme on dit. Et donc, c'est pour moi un grand plaisir de vous remettre ce prix. Bravo, félicitations. Je te félicite, Marc. Quelques mots, Marc Zynga, pour ce prix. Quelques mots. Je ne sais pas quoi dire, si ce n'est que je suis très honoré et que je vois que ce soir, c'est le football a une place de choix. Et étant donné que j'avais fait un film où je jouais un footballeur, c'est émouvant pour moi d'être là, et d'autant plus que j'ai évolué au Sporting de Charleroi et le lauréat vient de là, donc je suis un peu jaloux, c'est vrai. Tout à fait, le football et la culture aussi, c'est pour ça qu'on vous remet également ce prix amplement mérité. Bravo Marc Zynga. Je te félicite, Marc. Alors nous allons poursuivre, Kathleen, cette soirée. Inderdaad, schon eiklost. Vous avez aimé le défilé tout à l'heure? Was the défilé? Alors il n'y a personne qui répond. Vous avez aimé le défilé tout à l'heure? Très bien, parce que ce n'est pas fini. Nous allons encore pouvoir admirer ces cascades de couleurs de la créatrice Wissaden Amina, avec, il faut quand même le souligner, une belle mise en beauté avec le make-up de ses mannequins, qui est de Cynthia Attia. Place au défilé. African Awards. Africa,
Oh, yeah,
Suivre pour les Dounia est un entrepreneur talentueux et ambitieux. Il a mis au point après quelques années de recherche une recette à base de bananes. Assez étonnant. Ja, de volgende lauréat is, laten we zeggen, een creatieve ondernemer. Het is een ingenieur brasseur van vooropleiding en na jaren van onderzoek ontwikkelde hij een vrij uniek bier op basis van banaan. Veruit al onze verwachtingen overstijgde. Et pour remettre ce prix, je vais appeler le ministre wallon et ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles en charge de l'agriculture, monsieur René Collin. Welcome. René Collin, bonsoir. Goedenavond. La Belgique, c'est vraiment le pays de la bière. On connaît différentes saveurs, mais une bière à base de banane, c'est assez insolite. La Belgique a les meilleurs brasseurs. Je suis ministre du sport et on me fait parler de la bière, mais c'est pas grave. La Belgique a les meilleurs brasseurs, mais on a toujours besoin, et les Belges, on adore ça, de s'ouvrir vers l'extérieur. Et avoir quelqu'un du Burundi qui vient nous apprendre de nouvelles techniques, qui vient en plus de découvrir une bière qui est adapté aux diabétiques, puisqu'il n'y a quasi pas de sucre, il n'y a pas que la bière et la banane, eh bien, je pense que c'est une belle plus-value, et on sait qu'on a besoin de brasseries, parce que ce sont des entreprises, ce sont des emplois, c'est évidemment de la bonne humeur, mais aussi c'est toute l'attractivité d'un territoire. Dank u wel. Pas de questions? Geen enkele vraag. Misschien toch wel een kleintje. Heb jij al genoten van de avond? Ik stel het aan iedereen die hier op het podium komt, hoor. Het is het eerste keer. Ik ben zeer geïmpressioneerd bij de ambiance. En ik ben zeer blij voor mijn vriend Kebano. En zeer fier voor Charleroi. En ik ben zeker dat Charleroi zal in Europese ploegen zijn. We geloven erin. Succes. On a besoin, comme vous l'avez dit, de brasseurs, mais on a également besoin de personnes qui révolutionnent nos habitudes. Et c'est ce que fait très bien jeune Christian Cavacouré sous vos applaudissements. On va m'applaudir. Future.
bravo, bravo. Vous allez pouvoir recevoir le prix. Mademoiselle, s'il vous plaît. Je peux dire un mot ? Oui. Juste encore un mot. Il y a quand même plein de coïncidences dans la vie. Il vient du pays des collines, le Burundi. Il a installé sa brasserie dans le pays des collines, dans le Hainaut. Et c'est un certain Colin qui lui remet son prix. Donc vous avez bien fait les choses. Merci. Votre prix, s'il vous plaît. Félicitations. Et félicitations. On peut encore l'applaudir, s'il vous plaît. Le gouvernement m'applaudit. Quelques mots, s'il vous plaît. Voilà. Je voulais présenter mes remerciements d'abord au jury pour l'amitié qu'il m'a témoignée et surtout l'honneur qu'il m'a donné pour avoir Sodounia. Sodounia, pour moi, représente beaucoup de choses. La première chose montre que l'Afrique, c'est une terre des talents et d'avenir. Et deuxièmement, ça me montre aussi que l'Afrique, c'est cette terre qui est toujours, qui peut redonner toujours son héritage, qui est la culture. Et troisièmement, ça me montre aussi que l'Afrique possède aussi des leaders en innovation, en développement, mais surtout, ce qui est très important, en découverte. Chers frères et sœurs, l'Afrique est riche de ses, je ne sais pas comment dire, parce que je suis ému ce soir, l'Afrique est riche de beaucoup de choses et surtout de ses différences. Et malgré ces nombreuses différences, la plupart d'entre nous, nous partageons et même espoir pour l'avenir de notre continent. Et nous savons tous, et pour atteindre cette nouvelle donne, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Certains peuvent nous dire que c'est une utopie. Les équilibres de la planète sont en train de changer. L'Afrique, actuellement, est au centre de tous les regards et de toutes les attentions. Le monde a besoin de l'Afrique. L'Afrique a besoin de nous. Ça paraît un peu prétentieux, mais pour moi, c'est un constat qui est pour tout Africain qui est ici, qu'il doit intégrer définitivement dans leur cœur. Et ce soir, si je reçois Sodounia, je ne pourrais pas être un homme sans une femme qui a accepté de m'épouser il y a 18 ans. Mika, dans toutes mes découvertes, dans toutes mes recherches, les nuits blanches, tu étais toujours là. Et ceci, c'est pour dire que, et ce soir, je te dédie Sodounia, cette terre, parce que je pense que le démarrage de l'Afrique, le démarrage du développement de l'Afrique passera aussi par le rôle de la femme. Et aussi à la fin, excuse-moi, je voulais parler pour tous les Africains qui travaillent pour réunir l'Afrique. Il y a ici Plateforme Jada, Rebecca Travel, et aujourd'hui je voulais lancer une fleur à une dame de joie, de cœur, qui est venue spécialement de Monaco pour nous, et c'est ma grande sœur Kadjanine qui est ici ce soir pour nous. Elle montre une chose, parce que maintenant, elle travaille avec les femmes du Mali. Elle cultive le riz. Et c'est pourquoi pour nous tous qui sommes ici, la dernière phrase, notre projet c'est l'Afrique et notre avenir c'est l'Afrique. Je vous remercie. Merci, merci également pour ce beau plaidoyer et bravo. Et en effet, nous saluons encore chaleureusement Madame Kadjanine. Bonsoir. Welcome Kadjanine, welcome. Merci beaucoup Kadjanine, quel souvenir. En 1992, première édition du soulier d'ébène à l'hôtel qui
qui s'appelait encore Hilton à l'époque, et elle avait chanté sur scène, je ne sais pas si elle s'en souvient, Wale Watu, un de ses plus grands tubes. Merci Kadjanin, 24 ans, 23 ans plus tard d'être là. Merci beaucoup. Alors, il y a eu le soulier Ben tout à l'heure, et vous savez, lors de cette soirée African Awards, on aime récompenser également des personnes méritantes. Il n'y a pas que des footballeurs qui marquent, qui s'illustrent par les résultats, par les buts, par les arrêts pour les gardiens. Il y a aussi des personnes qui, à côté du terrain de football, réalisent des actions tout à fait louables. C'est un petit peu le sens du prix du mérite, prix spécial, attribué en premier lieu par la SBL Friendly Foot, co-organisatrice de cette soirée African Awards. Alors je vais appeler sur ce podium les deux co-présidents de Friendly Foot, Mahamat Haroun et Augustin Izeidi. Voilà, Augustin qui va nous rejoindre sur ce podium pour nous expliquer la philosophie pour cette année et puis aussi nous parler de celui qui l'a remporté cette année. Voilà. Bonsoir à tous. Donc voilà, comme le nom le dit très bien, le prix du mérite est offert par Friendly Foot. La philosophie de Friendly Foot, c'est quoi? Mais c'est d'aider les enfants défavorisés partout où l'on peut. Qu'ils soient africains ou autres, ça n'a aucune importance. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, Friendly Foot donne le football pour tous gratuitement, tous les dimanches, à Gansoren. Pourquoi? Parce que nous avons quelques dirigeants de clubs qui sont ici, mais pour certaines familles, c'est lourd. Avant, le football, tout le monde pouvait y jouer, on n'excluait personne. Mais maintenant, quand des familles ont trois, voire quatre enfants, il n'est pas toujours évident de pouvoir payer les cotisations. Ce qui fait que Friendly Foot, pour ce fait, s'est dit, ok, on va organiser le football pour tous. Tous ces enfants peuvent venir jouer gratuitement chez nous. Nous mettons à leur disposition un terrain et des entraîneurs. En outre, que faisons-nous aussi? Nous faisons des stages. Et des stages, pourquoi? Justement, pour financer ce football pour tous. Et aussi, comme vous voyez là sur les photos, nous avons été récemment en République démocratique du Congo, où nous avons pris 120 enfants, que nous avons rhabillés complètement. Ces enfants, mesdames et messieurs, ne mangent qu'une fois par jour. Et nous leur avons donné, nous avons amené dans nos bagages des entraîneurs de renom, donc de formation, Michel Brunning, Cédric Gesselings. Et nous avons emmené également la fondation Samia avec Sophie pour aussi faire de la prévention. Donc voilà un petit peu tout ce que Friendly Foot fait. Et toutes les années, Friendly Foot remet un prix. Nous remettons un prix et c'est le prix du mérite. Le prix du mérite, pourquoi? Plus dans le social. Dans le social, c'est-à-dire que nous prenons un joueur de football qui fait du social. Et nous voulons le récompenser, nous voulons faire un geste de son côté. Pourquoi? Pour un, encourager également les autres à en faire, bien que je sais qu'ils sont nombreux en fait, et c'est là qu'est la difficulté quelquefois de pouvoir trouver qui sera le prix du mérite. Et j'attends toujours, je parle, j'espère toujours que mon collègue va arriver également pour prendre la suite. Mahamat Haroun, s'il est là. Et il est en conférence de presse, je sais, avec, je crois, Kebano. Oui. Donc voilà, alors comme je le disais tout à l'heure, je suis content quelque part aussi du Sporting de Charleroi, parce qu'ici il y a quand même quelques zèbres, hein, monsieur Bayat. Quelques zèbres du passé, dont Missé dans le fond, qui a brillé dans des zèbres. Et puis moi j'ai pas trop brillé, mais je suis passé par chez vous aussi, hein. Je suis aussi un zébré. Donc, voilà. On remercie en tout cas Mehdi Bayat d'être parmi nous voilà, ce soir. Voilà, donc parce que quelque part, c'est la première fois que le Sporting reçoit un prix. Et nous... Voilà. Alors, merci. Et nous, nous allons donner le prix du mérite à un garçon tout à fait sympathique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ici qui auraient aimé le voir. Beaucoup de jeunes filles, malgré qu'il a sa copine, qu'il est marié, qu'il a un enfant, elles sont elles sont venues non pas pour le soulier d'Emen, mais elles sont venues pour le voir.
Malheureusement, elles m'ont vu. Quelle différence. Je pensais avoir autant de cheveux que lui, mais j'en ai quand même un peu moins. Alors, on va quand même appeler son papa, parce que son papa est quand même là. Son papa est là. Et, mesdames et messieurs, pour le prix du mérite, donc on va d'abord appeler la personne qui va remettre le prix du mérite. Oui, alors on va appeler Pierre Compagnie. Pierre Compagnie, on ne doit plus vous le présenter, bien entendu, le papa de Vincent, mais surtout député régional bruxellois et conseiller communal à Gansoren, justement, la commune dont tu as parlé, Augustin, il y a quelques instants. Pierre Compagnie qui remettra le prix dans quelques instants, effectivement. Pierre, bonsoir. Avec aussi, maintenant... Un petit mot d'abord avant de révéler qui remporte ce prix, oui? Oui, évidemment, comme ça les gens ont le temps de réfléchir et de savoir qui c'est. Hein. Bonsoir et merci beaucoup. Je suis entre le créateur, l'un des créateurs, et de l'autre côté, l'animateur principal de Friendly Foot et autres, et le Nouvelle Afrique qu'il ne faut pas oublier. Je suis vraiment heureux d'être ici avec vous. Et je crois que quand je regarde la salle et que j'imagine que, j'oserais dire, nous sommes arrivés là, ben, toute la fierté est pour vous, toute la fierté est encore pour vous autres. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Et tu sais toujours ce qu'on dit, hein? Quand on voit des gens bien, on dit toujours que ceux qui sont en face sont des gens bien. Eh bien, aujourd'hui, je me sens un homme bien. Voilà. Voilà, entre-temps. Donc, voilà. Merci, Augustin, entre-temps. Voilà, et entre-temps, Mahamat voilà. est arrivé. Donc, je vais le laisser donc, appeler le papa du nominé que je n'ai pas encore dit le prix, et la maman aussi. Donc, voilà, je laisse Mahamat Haroun, qui est le vice-président de Friendly Foot, pour les appeler. Ah, on ne sait pas qui a encore... ça va, ok. Bon. C'est pas que j'étais en train de dormir, je faisais la conférence de presse. Merci. Donc, le prix de mérite, je crois qu'ils ont tout dit. C'est vraiment... Et la personne, elle mérite réellement ce prix, si on peut dire. Et j'appellerai ses parents qui sont là. C'est la famille Witzel. On peut applaudir Axel Witzel pour son investissement. Les parents d'Axel Witzel. Thierry Witzel. Thierry. Axel qui évidemment est retenu par ses obligations dans le football russe puisque c'est la fin du championnat avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Mais vraiment, on est heureux d'accueillir les jeunes parents d'Axel Witzel, notre Diable Rouge. Voilà Thierry Witzel qui également salue Pierre Compagnie, les deux papas de Diable Rouge. Thierry ah qui, oui. Oui, qui est... Bonsoir. Qui s'est investi avec son fils, bien sûr, dans le social. Il va peut-être nous en dire un peu plus. Hein. Bonsoir. Nous vous remercions pour ce prix parce que ça fait déjà, je pense, 2 ans, 3 ans qu'Axel parraine le Safari des Anges. Je pense que Jeanne est là, au bout. Et aussi l'Action d'Amiens, qui est aussi dans le monde, en Afrique. Ouais. Donc c'est un grand plaisir pour nous et voilà, nous sommes très contents. Et même si nous sommes martiniquais, nous sommes africains avant tout. Excusez-moi, cette parole n'est pas de lui. Cette parole n'est pas de lui, il a pris de quelqu'un d'autre. Ben, vous voyez, quand on a fait l'exposition, au stade Roi Baudouin, il y avait, je crois, 6 joueurs de Diable Rouge, donc 5 d'origine africaine. On leur a demandé
de tenir un drapeau. C'est un drapeau du Brésil. Et ces drapeaux, on devait les vendre pour soutenir notre ASBL. Et les 5 joueurs d'origine africaine, ils étaient tous d'accord pour le faire. Et parmi eux, il y avait un intrus. Je vous laisse deviner, c'était qui. Dommage, parce que je pense qu'on n'a pas la photo du drapeau. Et naturellement, Marwan, qui doit toujours taquiner, il lui a dit, mais tu n'es pas africain. Et c'est là qu'Axel lui a répondu, je me sens africain. Donc la parole peut-être du père au fils. Et c'est pour tout ce qu'il a fait, effectivement aussi le prix, comme on a dit, ce qu'il vient de citer. Et en plus, c'est quelqu'un, quelque part il se sentait africain, mais c'est quelqu'un qui est généreux de cœur. Donc ces prix récompensent des sportifs qui font, je vais dire, une action sociale. Et Axel, comme à l'image de ses parents, ils sont là aujourd'hui. C'est quelqu'un qui mérite vraiment ses prix. Merci. On va quand même un petit mot à la maman aussi. Parce qu'on a l'habitude de toujours voir le papa à la télévision. Le lendemain de la fête des mères, c'est logique, hein, madame. C'est logique. Non, ben, Axel est quelqu'un au grand cœur. Donc, voilà, on est fiers de lui. Il vient d'être papa il y a un mois et demi d'une belle petite fille. Donc, voilà, ça compte. Qui s'appelle Maëlie. Donc voilà, et on est tous heureux. Et le papa a tout dit, donc voilà, c'est très bien. Merci pour lui en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas ça fait plaisir d'entendre votre voix. Voilà. Je finis quand même par dire heureux grands-parents, papy et mamie. Eh bien, la... Grand-pas. Ah, grand-pas. Ah, yeah, ça c'est du neuf. Et moi c'est Nanou. Et Manou. Ouais, et ici c'est bon pas, papy. Oui. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Un grand merci en tout cas. Merci. Mais n'oubliez pas que Witzel, il y a eu Miss Africa à Liège. Sachez que ce gamin, nous ce sont nos enfants, ce gamin, sans lui, il n'y avait pas ce Miss là. Ok, merci. Hein. Voilà. Thierry, je ne résiste pas au plaisir, ce sont les anciens instincts de journalistes qui remontent à la surface, de poser quand même la question qui intéresse peut-être quelques-uns, quelques-unes dans la salle. L'avenir d'Axel, est-ce qu'il sera noir et blanc dans le nord de l'Italie? Il a 3 matchs de championnat jusqu'à fin mai. Donc samedi prochain, il joue pour le titre, donc s'il gagne, ils sont champions. Et puis, on verra fin mai ce qui va se passer. Voilà. Voilà, on verra s'il ira ou non à la Juventus. Merci. Encore bravo aux parents et merci à l'ensemble, la famille du football. J'ai parlé de Mehdi Baya tout à l'heure. Je vois mon ami Nordine Jbari. C'est vrai que c'est la soirée du Souli des Bens, c'est la soirée du prix Friendly Foot. Et dans quelques instants, ce sera l'occasion, mesdames et messieurs, de rendre hommage aussi, un grand hommage. Alors je vous demande de rester attentifs, de rester bien en place pour ce qui va se passer dans quelques minutes. African Awards. Well, Tuna, hoe voel jij jou vanavond? Hoe gaat het met jou eigenlijk? Très bien, très bien. Et pour vous, tout va toujours parfaitement? On ne l'entend pas, hein? On nous a dit que le public belge était parfois froid, faudrait peut-être le démentir. Est-ce que tout va toujours bien pour vous? Très bien, très bien. Alors le prix qui va suivre, c'est celui de l'ACC. Et pour le remettre, je vais appeler le gérant de la Conti Team, Monsieur Gilles Bénicourt. Sous vos applaudissements. Voilà, il arrive. Bonsoir, monsieur Bénicourt. Tout va bien? Pourquoi ce prix? Oui. Mesdames et messieurs, ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de remettre le prix décerné par notre société Accountants Team, cabinet d'expertise comptable et fiscale. Il s'agit d'un prix visant à encourager l'esprit d'initiative et l'esprit d'entreprise. Il est destiné à toute personne de la communauté africaine ou d'origine africaine en Belgique qui s'est distinguée par la réalisation d'un projet personnel.
parce que ce nominé nous offre un bel exemple de réalisation personnelle et professionnelle dans le contexte socio-économique assez difficile que nous connaissons. Il constitue une source d'encouragement pour la jeunesse et une inspiration pour toute la société. Accountants Team est ravi d'être présent ce soir et de participer à ce beau projet. Merci. Et nous sommes ravis aussi. Nous allons donc appeler à nouveau Monsieur John Christian Cavacouré. Est-ce qu'il est dans la salle? Sinon, peut-être je vais appeler son épouse pour recevoir ce prix. Ah, le voilà. Venez, venez. Welkom, tweede keer op het podium. Oulala. Voilà, je vous laisse le micro. Alors, je ne sais pas, le deuxième prix, c'est pour la mousse ou pour la bière? Vous savez, nous les Africains, avant on nous disait, on est les premières à boire. Mais maintenant, nous sommes les mêmes qui essayent de brasser la bière. Alors, je voulais vous donner quelque chose sur la banane. Vous savez ce que c'est la banane? Parce que tout le monde ici, tout le matin, ils prennent la banane. Alors, la banane, ça va nous donner une protéine qu'on appelle la tryptophane. Et cette tryptophane, il est transformé par le corps et qui va donner la sérotonine, c'est cette hormone du bonheur. C'est pourquoi nous, les Africains, on a toujours le bonheur tout le temps. Merci beaucoup. Bravo. Bravo, bravo. La suite du programme, Kathleen? Ik denk dat er nog een intermezzo volgt, een artistiek intermezzo. Oui, Marcel, qui est originaire du Cameroun. Il a une formation de gospel et puis il a tout de suite changé pour aller plutôt vers le chant classique. C'est beau, c'est lyrique, vous allez l'entendre dans quelques instants. Inderdaad, het volgende intermezzo is een man afkomstig uit Cameroen. Na zijn start in gospel heeft hij getracht om vandaag klassieke zang in zijn act te integreren. Ik zou zeggen, laat je ontroeren hè, door het onverwachte, het verrassend effect van Marcel Ballot. Little bluebird fly.
beyond the rainbow why? Oh, why can I? African Awards.